Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur Silent Hill 2, le remake qui est sorti, je crois on est le 8 octobre, je crois qu'il est sorti le 6 octobre, hein, déjà. Donc on va pouvoir découvrir ça tous ensemble. Alors bah c'est toujours édité par Konami, par contre ce n'est plus la team Silent qui est derrière le jeu de 2001, hein, original de la PS2, emblématique, jeu emblématique, tellement emblématique que moi, alors déjà vous allez me détester mais j'en ai fait aucun. Voilà, les Silent Hill j'en ai fait vraiment aucun. Moi ma cam c'était plus Resident Evil, hein, désolé, et Dino Crisis. Et Silent Hill c'est vrai que bah, c'était un peu à part mine de rien, mais... tous les joueurs qui ont joué disent que c'est vraiment une dinguerie, que c'est super cool. Il y en a même, c'est leur jeu préféré de la PS2. Hein. C'est pour vous dire que voilà, le Silent Hill E2 notamment, lui, il a marqué les esprits dans le milieu du jeu vidéo. C'est pour ça que je suis d'autant plus un peu excité de découvrir ça tous ensemble, parce que bah, c'est vrai que moi, j'en ai fait aucun, donc c'est l'occasion pour moi d'avoir un avis justement totalement impartial sur le remake, du fait que bah, j'ai jamais fait l'ancien. Donc l'ancien, je me le ferai peut-être pour le côté de la nostalgie après avoir fait le remake. Et là, du coup, celui-là, c'est celui-là que je vais faire en premier. Donc, merci à Ezekiel, à qui je partage mon compte Steam en mode famille. Parce que du coup, c'est lui qui a acheté le jeu, parce que moi, je ne l'ai pas acheté, parce que lui, c'est un grand fan de la série. Donc, du coup, il l'a acheté. Du coup, bah, je vais pouvoir faire cette vidéo grâce à lui. Donc, merci à toi. N'hésite pas à commenter, hein. Il n'y a pas de souci. Je te mettrai un petit cœur. Et du coup, ouais, je disais quoi, c'est... C'est pas la team Silent hein, qui a fait celui-là, c'est une autre team, mais c'est ceux qui sont derrière Lies of Fear et qui sont également derrière à Blair Witch, voilà, au niveau des développeurs, donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'était des bons jeux, hein. J'avais bien aimé Lies of Fear, j'avais bien aimé Blair Witch également, ça faisait bien flipper. Donc écoutez, bah, on va découvrir ça tous ensemble, allez, donc je sais pas si je fais un let's play ou si je fais une découverte, en tout cas, on va lancer le jeu. Donc en difficulté des combats standard, élevé... Des casse-têtes standards élevés. Alors, il y a longtemps que j'avais pas fait une vidéo facecam aussi, coucou. Mais bon, là, c'est un survival horror, donc bon, je me laisse cet handicap. Enfin, si on peut parler d'handicap, hein. C'est vrai que j'aime bien faire des vidéos facecam de temps en temps. Et d'autant plus quand c'est des survival horror, c'est encore plus cool, là. Non, mais je vais pas mettre ce genre de truc. Non, pas mettre les années 90, c'est bon, tu fais des casse-têtes standards. Des casse-têtes ont un impact sur le contenu du jeu et ne peuvent être modifiés en cours de partie. Donc on peut avoir des casse-têtes plus durs, genre, mais je vais peut-être laisser le jeu en difficulté standard, comme le jeu a été conçu à faire. Parce que ça, je suppose que c'est t'as moins de vie, t'as moins de mun, à mon avis, hein. Bon, allez, on va laisser en standard, vous savez quoi, à la rigueur, si je veux refaire le jeu plus tard, je le mettrai en plus compliqué. Et là, déjà, ouais, je vais enlever ma cam, et on va laisser la cinématique, évidemment. Bah, il avait une alliance sur son annuaire et il n'a plus son alliance. Alors, je connais pas du tout les amis, hein. Donc c'est vraiment full découverte, je répète. In my restless dreams,
I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Je crois qu'on peut jouer là. Eh ben putain, le thème de début en tout cas est vachement cool. D'accord, ah, RB c'est pour se retourner rapidement, ok. Donc on va prendre un peu le gameplay, hein. Est-ce qu'on peut sprinter? D'accord, je peux esquiver. Pour aller un peu plus vite, boisson quoi? J'ai pas compris ce qu'il y a eu sur l'écran là. D'accord, donc Y, je fais apparaître un truc. Je peux esquiver avec B, mais c'est pas le bon truc à faire. Ah, je peux sprinter avec LB, ok d'accord, c'est ce que je voulais voir. À sprinter, si on peut appeler ça sprinter, bien sûr. Je peux interagir avec le truc? Non. Par là, c'est Silent Hill? Je sais pas. Dans ma voiture, il y a des trucs à ramasser. Ah ah. D'accord, donc je suis là. Si je descends là-bas, je vais dans un cimetière. Et après, il y a range de Silent Hill et après, j'arriverai à Silent Hill. Ok. Flèche 2 pour ouvrir la carte, c'est très bien. Je suppose qu'on peut pas retourner dans les chiottes. Ah oui, je vous préviens, je vais être très casse-couille parce que moi je vais tout fouiller. Hein. Ah, on peut y retourner. Par contre, on voit rien. Y'a pas d'easter egg à la con, y'a pas de truc caché, non. Ok. Allez, c'est parti. Et y'avait quoi là-bas? Je suppose que je peux pas aller jusqu'au bout. On va se taper un mur invisible ou une connerie. Tenter de quitter Silent Hill dans la zone de point de vue. Ah d'accord, ok, j'ai eu un succès. On peut pas, bien sûr. Allez. Du coup, on va arrêter de faire des bêtises et on va y aller. Par contre, mon jeu est pas à 60 FPS constant là. Faudra peut-être que je regarde un truc dans mes options par la suite. Parce que j'ai peur qu'après... ça soit compliqué quand il y aura de l'action, quoi. Moi, vous commencez à me connaître sur la chaîne, hein, je préfère avoir un jeu qui est fluid et moins beau. Attendez, vous savez quoi? Je vais regarder maintenant, ça sera fait. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est bon les amis, problème réglé, donc voilà, c'est beaucoup plus fluide, on est content. Enfin, je suis content surtout. Allez, maintenant, on va aller vers le cimetière du coup. C'est parti. C'est d'arriver à Silent Hill sur ce premier épisode. Je sais pas si j'en fais un SP toujours, dites-moi en commentaire, bien sûr. Que ça a de la gueule, hein. T'as pas envie de courir, en fait, quoi. C'est le merdier. À l'aide. Allez, go. Il va y avoir un bruit bizarre dans les bois, là. Ok. Ça, il les emmerde comment, alors qu'on n'a même pas... on n'est même pas encore arrivé en ville, quoi.
Ah, c'est vrai qu'avant, c'était pas la caméra vue de l'épaule. Là, c'est vrai que c'est peut-être un chouïa mieux pour l'immersion, quoi. La manette qui vibre toute seule aussi, ça aide pas. Il y a des bruits partout. Alors, je vais monter le son, tiens. Je suis où là sur la map? Je suis pas encore arrivé au cimetière, hein. Là, il y a un puits. Ah, on peut sauvegarder au niveau des puits, d'accord. Bah, écoutez, ouais. Ça marche. Attention. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No. Believe you, it's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Bon, on est reparti du coup, hein. Voilà, on a parlé à cette dame. Je peux encore lui reparler si je veux. Did you want anything else? No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? Yes. On peut rentrer ou pas dans l'église? Non, c'est fermé. Je fais quand même le tour, on sait jamais, hein, mais pour l'instant... Je crois qu'il n'y a rien d'intéressant à ramasser. Par contre, le brouillard au secours. Okay, donc, je suis cette route et puis j'arriverai à Silent Hill, quoi. Bah, je peux pas aller dans l'eau. Dommage, hein. On aurait aimé, ou pas. Je fouille un peu. Ah, il y a une tombe, quoi. The fuck. Bon bah c'est tout hein. Allez, on va continuer. Et on va voir ce que ça donne.
cas, l'ambiance est là, hein. Putain, pour l'époque, je sais pas vraiment ce que ça donne. Faudrait peut-être que je regarde quelques vidéos, mais ça devait être dingue, hein. S'il y avait du brouillard et tout. Ok. Une ferme là. Un bel épouvantail. Chelou, hein. Le bruit qu'il y a. On peut pas passer. D'accord. Et bah, c'est tout. Montre bien ce qu'on va trouver, hein. Parce que là, on arrive à Silent Hill, là. Hein. Y'a rien, là, c'est la Syrie. Ouais, je peux pas rentrer, non, je suis obligé d'aller tout droit là. Avec les bruits qu'on a autour de nous, la musique psychédélique là, aussi. Plus on se rapproche de Silent Hill, plus la musique elle s'emballe quoi. C'est bien foutu. J'ai pas la clé. Ah, ouais, ok. J'ai essayé d'aller en ville pour faire réparer la fenêtre. Le double de la clé est dans le tiroir. Ok, l'objectif, trouver un tiroir pour trouver la clé. Hello? Anyone in here? Je suppose que la porte était fermée. Oh, par contre, on voit rien. Ouais. Donc j'ai bien la clé. Ouais, je peux examiner. On peut faire tourner les objets, mais on peut pas examiner comme dans Resident Evil, hein. C'est différent. Ok. Il y a quand même d'inspiration avec les derniers remakes de Resident Evil et ça, ça fait plaisir parce que c'est vraiment des remakes, à mon sens, qui sont de qualité où on se fout pas de ta gueule, quoi. C'est pas comme celui de Dead Space, par exemple, là. Voilà. Ça, c'est fait. La balle perdue, là. Et c'est mon senti, écoutez. Alors, on va y arriver, là. C'est bon, on y est, je crois. Et c'est là que les emmerdes commencent, c'est ça? Ah, la musique, toi. Un délire, hein. Ah, les effets sonores, surtout. Ça met pas bien, hein. Regardez-moi ça. Où là? Ouais, j'arrive, j'y arrive là. No parking. Effectivement, hein. Allez. On peut ouvrir la boîte aux lettres. Hein.
Je peux pas passer. Non. On est dans un jeu vidéo, Munchie. Ok, bah, je suis arrivé à Silent Hill. Ah, du coup, j'ai la carte, ok. T'es Silent Hill, j'ai eu un succès, donc du coup, je suis là. Bah, écoutez, c'est très bien. Hein. Et là, à partir de là, ouais, c'est la sauce. Alors, la carte, je vais beaucoup la regarder, les amis. Je vous le dis, hein. Parce que moi, mon sens de l'orientation, qui est nul à Yesh. En plus, on rentre dans des endroits, c'est ouvert, c'est random. C'est du génie, quoi. Madame Cassandra, un client, est venue aujourd'hui et a commandé un bouquet de roses rouges et blanches. J'ai tenté de lui dire que cette... association portait malheur, mais il n'arrivait pas à se décider, il semblait ailleurs et me regardait comme si je n'étais pas là. Puis il est parti en disant qu'il repasserait les chercher plus tard. Je voulais vous prévenir car je ne serai sûrement pas là quand il repassera. C'est quoi ces conneries? Ouais, y'a rien. Les roses rouges et blanches. Why not, hein? Peut-être qu'il y a une énigme. Ouais. What is this? Du sang, hein. Je vais pas y aller maintenant. Putain, mais c'est terrible là par contre le brouillard là, on voit rien quoi. Un délire. C'est fermé, tout est fermé, tout est à chier. Non bah je vais retourner chez le fleuriste et puis je vais aller à droite hein. Écoutez. Allez. Elle est pétée là. Rien de plus à ramasser. Là chez le fleuriste, y'a rien d'autre à faire quoi. Là c'est là d'où je viens. Ouais, c'est ça. Attendez, je sais plus. Oui, c'est là d'où je viens. Ok. Donc là, on va là-bas du coup. Effectivement, cette ville est très chelou. Tout est fermé, tout est barricadé, là. C'est fermé. More of that stuff. Or du sang. Ah là, oh, oh. Je suis censé aller où, sa mère? D'abord à la gauche, peut-être. Écoutez, j'essaie d'explorer, mais... La ville paraît tellement grande en fait. Il y a d'avoir tellement de trucs à faire. Une canette qui roule là, tu sais pas pourquoi. Fermé, tout est fermé en fait quoi. Bon bah, tiens, quelle bonne idée si on suivait les traces de sang. Il met tous les cul-de-sac en fait, après sur la carte, c'est génial, c'est trop bien fait. Ok. J'essaie de regarder également en face de moi s'il n'y a pas de saloperie, hein, mais pour l'instant ça va. Personne dans cette ville de merde. Tout est fermé, j'ai JPP de ma life. Par contre,
explorer s'il y a rien. Ça va être vite fait, hein. Ah, c'est fermé. Oula. Passe quoi là? Je crois que je suis du bon côté là. Hey, wait. Il se dirige par là, ce con. C'est quoi cette musique, bordel? Zone fermée suite à un accident, toute interaction expose des blessures de mort, ok. Dis pas qu'il est parti là-dedans. Je le sens tellement pas. Il est juste de l'autre côté de la palissade, hein. Hello? Quel moment tu dis bonjour, toi? Il va me falloir de quoi me défendre, ouais. Tissu blanc, d'accord, ok. T'es mignon, toi. Ah, comme là par exemple. Et il rentre dans le truc, on voit rien. C'est génial. Je m'étais cogné la tête. Ah non, en fait pas du tout. En fait, dès que tu trouves un miroir, tu sauvegardes dans ce jeu. Ok. Poisson revigorante. Ouais. Y pour le soin, d'accord. Putain, j'ai atterri où là? Je peux pas monter. Quoi ça? À ta gauche. On se bat dans ce jeu. Waouh, putain la vache. Whatever it is, it's not human.
putain. Il est arrivé de par là ou je sais plus en fait d'où il est arrivé ce connard. Moi je suis arrivé de où en fait quoi. C'est fermé. Bah d'accord, en fait faut que je continue par là. Ouais, je vais au prochain point de sauvegarde, je pense que je vais arrêter vraiment parce que la vidéo va durer je pense. Et le jeu est cool. Pour la découverte c'est sympa hein. Là je me suis fait attaquer par un mec qui était dans un sac mortuaire, j'ai pas compris là. D'accord, donc on a un soin rapide et un soin long. Ok. Faut pas reculer, faut esquiver sur le côté plutôt. Allez, on passe de l'autre côté. C'est la voix de ma femme là, genre, ou... Ok. Ça présage du bonheur. Et c'est tout ce qui t'inquiète. Tu vas bien, hein. Que si tu veux, hein. Y'a pas de soucis. Ah putain, du coup, j'ai fait tout le tour, là. Avec ces conneries. Et je pense qu'il faudra explorer en vrai, hein. Eh. Déjà, rien qu'à faire ça, hein. Faut déjà ramasser des dingues, quoi. Allez, on vandalise des bagnoles. Oula. Je casse les vitres, moi. On sait jamais, hein. D'accord, c'est fermé, mais apparemment il a dit un truc, donc j'ai pas compris. Je crois que là c'est fermé pour de bon. Wouah, c'est quoi cette merde là? Ah d'accord, c'est sympa les ambiances. Putain. Ah l'enfer. Où est-ce que je suis là du coup? Ouais, je vais pas tarder à revenir dans la rue principale, tout va bien. Donc là il y a eu un hurlement, je sais pas quoi là, mais il y a rien apparemment. Peut-être dans la bagnole? Non. Eh bien écoutez, on va sauvegarder, hein. Tac. Voilà, on sauvegarde et j'en suis rendu à combien de temps de vidéo avec ces bêtises. Je check un peu. Ouais, bah écoutez, c'est pas plus mal, on va s'arrêter ici du coup. Voilà, donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette découverte vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous voulez un let's play, pour l'instant ça reste une découverte. A voir si je fais un let's play du coup, par la... ou c'est ça où je le fais dans mon coin. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de survival sur la chaîne, donc écoutez, dites-moi. Voilà. Allez, je vous fais des bisous à la prochaine, des bisous, je vous retrouve bien. Salutations !